Ce phoque gris est l'un des derniers pensionnaires arrivés à la clinique d'Océanopolis. Le mâle d'une vingtaine de kilos, né cet automne, a été recueilli lundi sur une plage de l'île de Groix. Depuis son arrivée à Brest, les soigneurs tentent de lui réapprendre à manger. Son menu de fête, une bouillie de poisson servie à la seringue. Attention, Eric, rajoute un petit peu. Ce sont des animaux sauvages qui normalement chassent en mer. Se retrouver avec des humains autour dans un box avec de la nourriture inerte, c'est pas normal pour eux. Et donc forcément, ils vont pas directement s'alimenter. Donc on est obligé de les gaver, d'abord avec de la bouillie, de manière à voir si le transit digestif se fait bien. Ensuite, on commence à gaver avec du poisson entier pour les habituer à la nourriture entière. Et puis vient le moment de transition où ils commencent à accepter de s'alimenter seuls. Et là, c'est la bonne voie. 11 phoques sont accueillis en ce moment à la clinique, tous âgés de quelques semaines. Dans les bassins extérieurs, les plus en forme réapprennent à vivre avec leurs congénères. À raison de 3 kg de poisson par jour, ils continuent de prendre du poids pour être prêts à affronter la mer et leur premier hiver. On recueille au centre de soins que des animaux qui, étaient trop affaiblis pour s'en sortir dans le milieu naturel. C'est-à-dire que le processus était engagé, c'est souvent un cercle vicieux. Les animaux perdent du poids parce qu'ils ne chassent pas correctement. Ils sont parasités souvent, donc ça va les affaiblir encore plus. Pour le peu qu'il y ait une pathologie qui se greffe à tout ça, et puis là, les animaux ne peuvent pas s'en sortir sans un petit coup de main. Plus de 630 phoques ont déjà été accueillis à la clinique depuis son ouverture en 1989. 80% d'entre eux peuvent être relâchés dans leur habitat naturel après s'être refait une santé à Brest.